l'on se sent minuscule face à la guerre. Une autre foule prête à se faire écraser. Moi, je me répétais tout le temps. Non, pas moi. Je suis aimé. Je suis aimé. Et Dieu me viendra en aide. Allez, les fous, allez!
se prépare pour combattre une vie. L'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage.
Laisse-le partir, petit frère. Idrissa. Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes. Et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille d'aide. Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa! Tu es comme moi, allons! Allons les combattre! J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous! On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question. De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous! De la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible.